des signes qui ne trompent pas. Quand un bébé est applaudi par l'ensemble du personnel d'une maternité, c'est soit petit A, que le personnel est heureux de le voir partir car il est un peu pénible, comme on dit. Petit B, parce qu'il est trop bon, qu'il est trop mignon. Petit C, parce qu'il est déjà un showman dans sa couche-culotte. Fabian Le Castel appartient à l'une de ces possibilités susmentionnées. À vous de deviner. Bonsoir à tous, je viens vous saluer, vous raconter bon du showbiz, toutes ces dérives, les vices de tous ces fêlés. Y en a qui sont bourrés de défauts, Vincent Delerme, Christophe Maé, Cali, Stéphane et Cher Renaud, Garou et Johnny Hallyday. Et je vous parle pas de Brigitte Bardot, sont tous possédés par le diable. Et ça risque pas de s'arranger, car ils sont franchement incurables. Mais ne bougez pas, je vais tout vous raconter. On m'a encore demandé hier pourquoi diable je me lavais plus. J'étais laissé toujours l'hygiène, pourquoi le sang était la morue. J'avais une haleine de dromadaire, depuis pas très nette qui pue. Pourquoi moi j'aimais pas trop l'eau claire, avec du savon tout moussu. Mais y'a rien à faire, j'ai rien y faire. Des années entières, mais quand il faut accoucher. Gratin, ding, ding, il m'en faut tuer les aisselles. Ah, des fois, gratin, ding, ding. Constamment les larmes aux yeux, les idées noires, la voix qui tremble. Je voudrais m'immoler par le feu. Sur une voie ferrée, je veux m'étendre. Moi j'étais sur une autoroute. Être candidat, secret story. Travailler chez France Télécom et en finir avec ma vie. Brûler, se le pète avec ses gros puissants cerveaux. Sa voix cassante comme le son d'une crise. Mais il est fidèle à l'équipe des enfoirés. Pour pouvoir les nouvelles recrues se taper. J'ai eu à peine une petite gâterie de morale. Une nuit avec Mimi Matisse était infâme. Oh Jennifer, oh accepteras-tu une fois dans la Troie avec Hélène Ségara. Quand tu rentres dans le showbiz, ne fit t'es pas en reste. Plus tu passes à la télé, moins tu te prends des vestes. Bien avant d'être connu, je mordais la poussière. Maintenant c'est différent, je mords plutôt des derrières. Une centaine d'enfants dans toute la France, je dois certainement être le père. C'est pas facile pour les finances, autant de pensions alimentaires. Elles étaient toujours consentantes, croyez pas que je sois à ce point goujat. Je n'ai jamais eu d'assaillante, je ne me prénomme pas DSK. J'ai porté haut la soixantaine, pour dresser une bête de scène, et arrimer la bedaine, où il faut bien resserrer la guerre. Je veux la poudre pour mon blaire, où la triche est assez ouverte. Et puis avant que j'expire, pour remplir à fond la tirelire, il suffira d'une étincelle. Oui, de rien, d'un contact, je suis comme un très gros diesel. Oui, d'un quart de tour, oui, pour allumer le vieux, allumer le vieux, éviter, oui, de tomber.